Bonjour, je suis Florence Pénard, responsable des parcours et des ateliers restauration, abattoir et hygiène des locaux. Je m'appelle Anthony et je suis travailleur à l'ESAT et mon métier c'est second œuvre. Aujourd'hui, faire intervenir l'atelier second œuvre en fait, sur la rénovation des locaux vieillissants de l'ESAT Lépin nous permet de mettre en avant en fait, toutes les capacités professionnelles des travailleurs. On fait de la peinture, du revêtement sol et au mur, tout ce qui est tapisserie, toile de verre. On pose du placo, on pose des portes, on fait des couvre-joints. Le choix s'est fait sur la capacité de s'adapter en fait à la demande qui était donc du client, qui était les ateliers, et aussi de s'adapter et d'intervenir pendant le temps de travail en fait de tous les occupants du bâtiment. Oui, ben c'est de continuer à acquérir les expériences que j'ai, quoi. Et peut-être un jour, pourquoi pas, faire un essai en entreprise ou en milieu protégé, pourquoi pas. Cette démarche met bien en avant en fait le professionnalisme et les compétences des travailleurs. Ce qu'on peut repérer, c'est leur implication au quotidien et surtout leur volonté à produire un travail de bonne qualité. C'est toute leur différence, mais cette différence se traduit en force aujourd'hui puisqu'ils ont une grande capacité d'adaptation. Toute cette démarche en fait vient vraiment s'inscrire sur les valeurs de l'AVEH. C'est-à-dire favoriser l'insertion et l'inclusion des personnes en situation d'handicap. J'avais fait quelques stages avant de venir ici, ouais. Ah bah oui, ça fait une expérience en plus. Ouais. Ça permet de voir comment ça se passe dans les entreprises, quoi.